Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment construire le symétrique d'un triangle par rapport à un point. Donc pour cela, nous allons construire le symétrique des trois sommets de ce triangle, le symétrique du point P, du point Q et du point R par rapport au point O. Donc pour construire le symétrique d'un point, on trace par exemple pour le point P la demi-droite PO, puis à l'aide du compas, on va prendre la longueur OP et la reporter sur cette demi-droite à partir du point O. On obtient ainsi le symétrique de P par rapport à O, qui est le point P', de telle manière que O est le milieu du segment PP'. Nous allons procéder de même pour tracer le symétrique du point R. On trace la demi-droite RO, puis à l'aide du compas, on reporte la longueur OR à partir du point O. On obtient le symétrique de R, qui est le point R'. On procède de même pour le point Q. On trace la demi-droite QO. On reporte la longueur OQ et on obtient le symétrique de Q par rapport à O qui est le point Q'. Ensuite, nous relions les points R', P' et Q' et on obtient le triangle symétrique du triangle PQR qui est le triangle P', Q', R'.